Bonjour, mes chers élèves. Alors maintenant, la partie de la conjugaison, ce que vous allez retenir. Ce que je dois savoir et ce que vous allez retenir. Le présent du verbe être ou avoir ou aller. Par exemple, le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, et sans, et sans. Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Pour le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Il ne faut pas oublier ces trois verbes au présent. Le présent du verbe de premier groupe, le verbe de premier groupe, on le rend infinitif avec et. Seul le verbe aller n'est pas du premier groupe. Au présent, il s'écrit avec les terminaisons suivantes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec s, elle avec s. Par exemple, ici, e, es, e, en ns, ez, en nt. Par exemple, danser au présent, on dit je danse, tu danses, il danse, elle danse, on danse, nous dansons, vous dansez, il danse, elle danse. Et bien sûr, en respectant les terminaisons E, ES, E, en NS, EZ, en NT. Attention, pour certains verbes du premier groupe, il faudra faire attention à l'orthographe, à la première personne du pluriel, par exemple nous. Le verbe qui se termine par C, ne pas oublier, classique. D'accord? Surtout avec nous. Nous lançons. Le verbe manger. Ne pas oublier le E. Manger au présent. Par exemple, nous mangeons. Le présent du verbe du deuxième groupe. Au présent de l'indicatif, les terminaisons du verbe du deuxième groupe sont S, S, T, en S, Z, en T. Aux trois personnes du singulier, je, tu, il ou elle, le radical, la partie commune des verbes se termine par i. Je finis, il finit, etc. Aux trois personnes du pluriel, par exemple nous, il, vous, il avec s, elle avec s, le radical se termine par is. Le finissant, vous finissez, il finit, il finit. Il faut se retenir surtout du verbe de deuxième groupe. Il faut bien retenir le présent du verbe de deuxième groupe, s'il vous plaît. Les autres verbes, par exemple faire et dire et venir, par exemple le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, il fait, nous faisons, vous faites, et alors vous faites attention à l'orthographe. Le verbe dire, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Le verbe venir, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Voilà. Et vous pouvez retrouver, s'il vous plaît, comme d'habitude, page 63 pour le présent des verbes être et avoir vers l'être. Page 73 pour le présent du verbe du premier groupe, pour faire quelques exercices. Page 85 pour le présent du verbe du deuxième groupe. Et page 95 pour le présent du verbe faire, et dire et venir. À très bientôt!